Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, bébé tout. Donc, je vous rappelle on est en train de jeûner. C'est notre premier jour de jeûne. Georgina, pardon, ferme la porte. Pardon, ferme la porte ici. Merci. Je vous rappelle qu'on jeûne et c'est le premier jour de jeûne. Bonsoir, Hera. Bonsoir, Angèle, Sandrine, Rosiane, Stéphanie, Arista. Kelly, Reine, Valérie, Rosiane. Ok. Je vous parle parce que celles qui me suivent depuis un bout, vous êtes en train de rentrer dans une dimension spirituelle. Et je dois vous en parler. Ok? Donc, mettez mes cœurs et vous me dites si vous êtes là ou pas. Dites, je suis là. Je vous avais demandé de créer les faux profils pour pouvoir commenter mes vidéos. Beaucoup d'entre vous, vous me dites que vous ne pouvez pas commenter. Parce que vous avez vos anticônes qui vous regardent. Donc, le 31 qui est samedi, à partir de 20h, on a un événement qui va se passer en ligne. Ce sera la planification de 2023. Ce sera un événement payant. Donc, commencez déjà à vous préparer. Le 31, pardon. Donc, de 20h jusqu'à minuit 30. Et on doit... j'aimerais bien prendre mon temps avec vous. Ce sera une séance de mini coaching où on va vraiment étendre... je veux vraiment que vous puissiez regarder tous les aspects de votre vie. Donc ce direct m'a été inspiré par... j'ai eu une conversation avec une jeune fille aujourd'hui. Et je pense que souvent dans mes vidéos, je vous parle d'une dame que j'ai carrément dû forcer même pour commencer à travailler sur elle. Bonjour Caroline des USA. Bonjour Spencer. Et c'est une personne qu'on se suivait sur les réseaux sociaux à distance. Voilà, donc je demande la présence du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, de vos anges, de mes anges, de vos ancêtres, de mes ancêtres. Appelez le nom de vos grands-parents, arrière-grands-parents, qu'ils vous inspirent, qu'ils vous montrent le chemin, et aussi que tout ce que vous êtes censé recevoir dans cette saison de votre vie, que vous puissiez recevoir au nom puissant de Jésus. Amen. Flor Camdem, ça, ce n'est pas l'endroit pour demander. Tu as compris? C'est vrai qu'on jeûne, mais je ne donnerai pas les instructions du jeûne ici. Tu as compris? Ceux qui jeûnent, on est dans un groupe de jeûne déjà. On a fait la prière à midi. Donc, 6h et 18h par la grâce de Dieu, je suis en direct. 12h et minuit, ça c'est pour ceux qui font le jeûne sec, minuit. Minuit, c'est seulement pour les gens qui font le jeûne sec. C'est-à-dire, vous faites 72 heures sans manger, sans boire. Et un groupe pour vous. Donc, 12h, on intercède ensemble. Donc, je demande aussi au Saint-Esprit de vous éclairer. Que l'esprit de sagesse descende sur vous. Et que ce que vous aviez oublié, que le Seigneur vous rappelle. Que les bénédictions qu'on vous avait données, que le Seigneur vous le rappelle. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit que l'entrée de la lumière, l'entrée de la parole de Dieu apporte la lumière. Donc cette jeune femme, on sait qu'on a été, on se suivait à distance, ça fait des années, ça fait au moins 3-4 ans qu'on se voyait à distance. Tu vois, quand tu es l'ami de quelqu'un sur Facebook, tu vois ce qu'elle fait, elle aussi, elle voit ce que tu fais. Et quand tu vois la personne, tu sens que la femme, c'est tellement brillante. Elle doit avoir plus que ce qu'elle a. Elle est censée avoir plus de followers. Elle est censée avoir plus d'argent, peut-être. Parce que quand tu regardes quelqu'un, tu peux voir si la personne a l'argent ou pas. Mais tu voyais que ce n'était pas vraiment ça pour elle. Tu vois, elle est belle, elle a l'énergie. Elle a, mais tu sens que quelque part, she's struggling a little bit, you know.
elle a encore un peu de difficulté, malgré tous ses efforts. Donc, elle tombe sur mes vidéos, elle voit que j'enseigne des trucs qui résonnent avec son âme. Donc, elle me contacte en février ou mars de cette année. Oh, c'est fou, bientôt on va plus dire 2022. Elle me contacte et puis on parle peut-être pendant 20 minutes. Je lui dis, voilà, tu dois faire ça, ça, ça. Premièrement, il faut que je te consulte. Et je crois que je l'ai consulté en avance. Quand elle a pris le téléphone, je lui dis, ok, la consultation est payante. Elle a dit, ok, faisons la consultation, je vais te payer. On a commencé à faire, faire, faire. Je lui dis les trucs qu'elle doit faire. Je lui dis. Elle dit, ok. Après, elle dit, envoie-moi ta photo, je vais te faire un lavage. Je vais travailler un peu sur ta photo. Elle envoie aussi la photo comme ça. Elle raccroche maintenant. Deux, trois jours plus tard, elle dit, non, non, ne fais plus, ne fais plus. Je lui écris, elle ne répond plus. Quand j'ai imprimé les photos des gens pour travailler, je dis, oh, la fille, c'est là. Je peux considérer que la consultation, là, c'est parti. Je ne la lave pas. C'est même quand je vais forcer quelqu'un pour travailler sur la personne. Dieu me dit qu'imprime sa photo, tu fais. Donc j'imprime sa photo. Je lui fais le lavage. J'envoie tout le travail que j'en ai fait. J'envoie. Elle voit. Elle dit, ok, comme tu as déjà fait, je vais te donner, je t'envoie ton argent de consultation et puis du travail ici. Le reste, il faut laisser. Parce que les produits que je devais lui envoyer, tous les produits, ça devait faire dans les 400 et quelques dollars. Elle a dit, non, 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 non. Elle ne veut même plus. Parce qu'elle est en train de voyager, elle part quelque part. Bon, sachant qu'il y a tellement de déceptions comme sur la page ici, je ne vais pas donner de détails. Je vous connais. Je sais que ces tantes sont sur la page ici. Vos sorcières, ma tante Icone, là, elles sont sur ma page, elles me regardent. Donc, elle, trois semaines plus tard, elle me contacte. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est bizarre. J'ai voyagé pour aller me relaxer un peu. J'ai rencontré un beau mec. Il est riche, il est spirituel. Voilà comment notre relation est. Franchement, je ne savais même pas. Et je suis arrivée ici en voyage. J'ai trouvé eu les opportunités de business jusqu'à... Je vais lancer ça, je vais lancer ça. Et elle me dit, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Parce que vraiment, je sens comment ma vie est en train de renaître. Elle était tellement, like, you know, excited. J'ai fait, Bon, je n'ai pas fait comme ça, mais bon. J'ai fait, Vous ne comprenez pas, non? Elle me dit que non, je vais envoyer les 400 dollars, là. Je vais envoyer... Elle fait directement le transfert sur PayPal. Elle dit que je vais rentrer dans tel nombre de semaines. Envoie-moi les produits quand je vais arriver. J'ai donc passé ça au département pour qu'on envoie les produits. Elle a commencé son travail. Donc ça, c'est dans les des régions de mars comme ça. Avril, mai. Après ça, avec son nouveau gars, il me dit que mamie, tu sais quoi? Dans mes autres relations, on m'a trop travaillé. Je ne suis plus sur ça. Il ne veut plus que ma relation se gâte. Et même qui demande maintenant. Hein. Je précise que quand vous allez devenir mature spirituellement, vous saurez faire la part des choses. Quand on dit que tu fais ton travail spirituel, parce que je veux que vous compreniez. J'en arrive là. Oh, j'aime trop les têtes de mort. Donnez-moi encore. Oh, j'aime les têtes de mort. Encore, s'il vous plaît. Encore. Allez, envoyez encore. Ça, c'est super. Envoyez encore. Quelques têtes de mort, s'il vous plaît. Juste un peu. Allez, encore, s'il vous plaît. Vous savez comment je travaille avec les mots, non? Donc, quand vous faites, vous avez têtes de mort comme ça, ça me plaît. Oh, vous avez arrêté. C'est pas possible. Bon, continuons. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc, 2 mois plus tard, elle dit, mais waouh, cette relation est tellement stable, franchement. Voilà mon business que j'ai commencé là-bas. Je suis arrivée ici, je suis rentrée, ça est en train de bien se passer. Franchement. Donc, ce qui fait que tous les 1-2 mois, elle faisait quelque chose, ou bien elle prenait un kit pour travailler sur elle. Ça, c'est une personne qui était le genre, comment on dit, athée là. Quand on te dit que les gens t'ont bloqué, tu dis non, moi je maîtrise. On te dit que non, telle personne te déteste au village, tu dis que non, moi je maîtrise. Je suis gentille, je suis belle. Qui me veut du mal? On avance donc la scène décembre 2022. Cette même personne, elle reste et me dit, waouh, je me suis isolée. Je suis restée comme ça, j'ai senti qu'il faut que je m'isole de la famille. Parce que vous savez que beaucoup de vos décepticons sont sur vos pages Facebook, non? Elle dit que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté d'abord Facebook pour un moment.
Parce que quand tu rentres dans la phase mature, quand il faut jeûner, tu sais que tu dois jeûner. On ne doit pas te forcer. C'est ça que vous forcez pas. Je vous chasse, mais vous me connaissez nos jours. Ça ne va pas, je vous chasse de mon groupe. Parce que si on doit encore te convaincre, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Bonsoir Laura Changa. Elle me dit, maman, quand je me suis isolée comme ça pendant quelques semaines, mes déceptifs ont commencé à me chercher. Ne me voyant pas, ils contactent dans ma famille. Ah! Les gens qui ne savaient même pas qu'ils regardaient ma page, hein, ils commencent à demander qu'elle est où? Elle est où? On ne la voit pas depuis. Elle va bien. Elle dit que maman, 2022, 2023, c'est qui est en train de venir. Je ne veux même pas blaguer. C'est elle qui commence à dire, je ne veux même pas blaguer. Ah, j'ai dit que ouais, c'est ça. Tu as bien compris. Donc, je vais vous expliquer donc ce qui se passe. Quand vous naissez dans vos familles, il y a des jougs familiaux. C'est-à-dire, on a dit que ta mère va souffrir. Ta mère va se marier, le mari va mourir. Certains de vos pères sont morts quand vous aviez 5 ans, 3 ans. Ou on a dit que ta mère, elle va se marier, le mari va la fuir. Certains d'entre vous, ton père est parti depuis que tu as grandi, ton père, il ne passait plus chez vous. Ta mère a fait 20 ans avant de mourir, elle n'avait pas d'homme dans sa vie. Ta grand-mère, elle est morte sans homme dans sa vie. Certains d'entre vous, on a dit, ok, tu es parti en Bénin. Comme tu es arrivé en Europe là, tu vas faire 10 ans de souffrance. Donc tu es arrivé en Europe, allume la lumière, hein? Allume là-bas, comme ça tu peux voir avant de nettoyer. Non, 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 là-bas. À droite, là-bas. Oui. Voilà. Certains d'entre vous, on a dit que, comme tu es en train de partir là, dès que tu vas arriver là-bas, tu vas voir la souffrance. Te voilà. Tu rames. Tu sais que quelque chose ne va pas. La maturité spirituelle, c'est quand tu commences à comprendre que, malgré le fait que je suis gentil avec tout le monde, je ne pense pas mal de quelqu'un. Même si mon ennemi vient me demander à manger, je vais lui donner. Même si je peux me recevoir les enfants de mon ennemi chez moi, hein, je les reçois en bain, je les guide même. Tu ne sais pas que l'enfant de l'ennemi, là, en venant, on a envoyé la bombe qui va l'enterrer dans ton appartement. On va donner quelque chose qui va mettre en bas de ton matelas. Je veux que vous compreniez que la pensée du simple, qui est simpleton parfois, et qui est béni, c'est différent de la pensée du méchant. Le méchant veut ton mal pour rien, gratuitement. Parfois, tu restes en train de dire que j'ai payé l'école de ses enfants. J'ai fait ceci. Tu ne comprends pas. Tu fais les mathématiques, tu ne comprends pas pourquoi on te fait du mal. Quand tu arrives dans la maturité, hein, on n'a pas besoin de te forcer. Tu prends le sel, tu mets dans l'eau, tu te laves avec seul. Tu te lèves à 3 heures. Tu engages ta prière seul. Vous attendez encore. Convainc-moi alors que je dois prier. Invite-moi. Vous êtes habitué qu'au partenaire des églises, on vous appelle. Oh, tu viens à l'église, viens à l'église. Ne venez pas. Vous avez suivi. Ça va vous chauffer. La maturité spirituelle, c'est quand à 3 heures, l'esprit te dit que lève-toi. Attaque cet esprit qui te dérange. Tu parles, tu prends le sel, tu verses, tu prends le jujube, tu parles. C'est ça la maturité. La maturité, c'est quand tu comprends que tu restes comme ça là. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé ma tante ici. Moi qui est partie chez elle en vacances, c'était tout bizarre. Tu restes, tu ne forces plus. Tu arrives même au pays, l'esprit te dit que prends ton appartement, tu restes seul. Tu finis tes 2 semaines, tu portes tes pieds, tu rentres. La maturité spirituelle, c'est quand tu ne cherches plus à faire plaisir aux gens de ta famille. Tu comprends que ton intérêt, la maturité spirituelle, c'est quand tu commences à devenir égoïste. Écoutez bien. Tu commences à devenir égoïste seul. Tu te lèves le matin. Ton téléphone reste comme ça là. Jusqu'à 18h, tu ne checkes même pas. Parce que tu sais que personne ne t'a écrit.
Parce qu'ils ont tellement écrit pendant 2 mois, tu n'as jamais répondu. Moins tu leur réponds, mieux tu vas. Moins tu leur réponds, mieux tu vas. Il y a quelque chose quelque part. J'ai consulté une jeune fille tout à l'heure. Elle me dit que quoi? Attendez. Elle me dit que elle a bossé pour arriver aux États-Unis. Et c'est une personne que elle a beaucoup. Tu vois, ton étoile est très forte depuis qu'elle est petite. Au pays qu'elle partait des églises réveillées, on disait toujours que on a enterré ton étoile dans un cimetière. Ta photo est enterrée dans un cimetière. Elle dit qu'elle a traversé l'arrivée au Brésil. Même au Brésil, même. Elle est dans les églises au Brésil. Les blancs de l'église lui disent que ton photo est enterrée dans un cimetière. Dans ton pays. Pardon, tire le grillage là. Il y a les moustiques qui vont entrer. Non, pas ça, pas ça. Le grillage. Non. Derrière, il y a un autre. Voilà, tire ça. Et c'est une jeune fille qui dit que moi je ne comprends pas ce que je leur ai fait. Elle a le genre d'énergie que quand elle arrive chez toi, si tu vas en magasin, elle arrive, elle dit que quand elle était petite, cette tante, elle avait une tante qui demande de venir dans son magasin. Elle lui donne le bonbon. Elle s'assoit devant le magasin, les clients entrent. Sa tante la aimait trop quand elle venait chez elle. Parce que sa tante était partie checker depuis longtemps. Que l'enfant de ma soeur, si son étoile est trop forte, l'étoile de l'enfant est trop forte. Quand, donc, c'est comme si Dieu te met sur la terre, il te donne ta chance. C'est un peu comme ton paquet. Quand on te met dans le taxi, quand tu rentres des vacances, on te donne le sac, on charge ton sac de choses. Non, tu arrives sur la terre avec ton sac qui est plein de choses. Ils voient, ils prennent ton sac, ils mangent ce qu'il y a dedans. Et t'empêche toi-même de manger ce qu'il y a dedans. Elle a bossé, elle arrive au Brésil, travailler pendant quelques mois, cotiser l'argent. Quand elle m'a raconté comment elle traversait où c'est l'Amazonie, c'est où là-haut, j'ai dit que, hein, mamie, elle dit que c'est même plus dangereux que ceux qui passent par le Maroc. Et elle a fait. Et elle dit que dans tous ces pays qu'elle traversait, les gens toujours, vous pouvez faire le bain de pipi. La grossesse ne stoppe rien. Arrêtez ça. Tu es enceinte, tu ne te laves pas avec le sel. Pourquoi? Elle arrive finalement en bain. Quand elle me contacte pour commencer à utiliser mes services en tout de mars, avril. Mais au maximum. Elle dit qu'on avait tellement. Donc elle dit que ses tantes parfois responsables disaient que tu ne vas jamais accoucher. Oh, tu vas te marier avec quelqu'un qui est pauvre. Donc on part d'abord te bloquer, après on vient te dire ça, oh, devant toi. Donc on lui avait tellement dit ça. Si bien que quand elle faisait même les prières, quand elle donnait ses sujets de prière, parce que quand vous demandez le lavage par exemple, quand je dois travailler sur toi, elle te dit que qu'est-ce que tu veux? Elle dit que dans ses sujets de prière, elle n'avait même pas mis l'enfant. Elle n'avait pas demandé l'enfant. Elle n'a pas demandé l'enfant. Voilà, je commence à travailler sur elle. Elle prend des kits. Elle commence à faire. Fondation, elle fait. Kit déblocage, elle fait. Elle reste. Elle tombe même enceinte, elle ne se rend même pas compte. Et quand elle était au deuxième mois, le deuxième mois finissait, mais déjà elle passait au troisième mois de grossesse presque. Voilà, ta photo enterrée dans une ville de la Côte d'Ivoire. Ça avait la précision, voilà. Après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle dit, hey. Quand elle parle, je dis que ma chérie, tu dois passer à une autre dimension où tu comprends. Il y a des choses de ta vie que tu dois faire en sous-marin maintenant. Vous comprenez bien. La maturité spirituelle, hein, tu cherches, tu impressionnes les gens. Avant, quand tu faisais le jeûne, tu peux faire le don, tu montres aux gens que j'ai fait le don. Tu peux faire l'offrande, tu veux payer ta dîme, tu veux montrer au pasteur que je paye ma dîme. Ma chérie, tu n'as pas encore bien compris.
Je sais qu'au moins 90% d'entre vous qui avez les témoignages, vous ne pouvez même pas venir témoigner ici-là parce que je vous ai dit, créez de faux profils, écrivez votre histoire. Parce que malheureusement, vous êtes très injuste là-dessus. Vous avez mis ce que je dis en pratique. 2022, si votre vie a marché, vos choses se sont ouvertes comme jamais. Mais vous ne pouvez pas écrire seulement un petit message. Que le sel que la femme se dit, se laver avec là, ça m'a donné ça, ça m'a donné ça, ça m'a fait ça. Écrivez, vous mettez. Je n'ai pas besoin de votre nom. Je ne fabrique pas les témoignages. Je sais qu'il y a des pages où les gens fabriquent des témoignages. Je sais qu'il y a des pages où les gens fabriquent des témoignages pour venir donner. Moi, je n'ai pas besoin. Vous avez vous dit toujours. Parfois, quelqu'un vient, il m'écrit en inbox, il me dit, ah, on m'a parlé de toi ici en Belgique. Que la personne te suit, il fait ce que tu dis, ça marche. Je dis que je connais la personne. Il dit non. Il m'a fait le témoignage. Non. Vos grosses têtes. Vous avez suivi. Vos grosses têtes. Ne venez pas dire pourquoi ça. Et le truc, c'est que la méchanceté de l'homme africain, c'est quoi, hein? Il sait que s'il vient dire, les gens vont savoir que j'ai raison. Et ça va me donner un peu de crédibilité. Je ne sais pas comment on peut dire. Parce que vous savez que votre opinion, ça m'importe peu. Quand il vient me mettre ici, j'enseigne. Je m'en fous de ce que vous pensez. Mais il y a des personnes que quand ils m'écoutent, ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques. Donc, ce que j'ai dit à cette dame, c'est quoi? Parce qu'elle me disait qu'elle s'est déjà habituée depuis qu'elle a commencé le travail spirituel. Elle reste maintenant, elle ne peut pas faire une semaine sans jeûner au moins 2 jours. Vraiment, elle dit qu'elle ne peut plus. Donc, c'était rentré dans elle. Voilà la fin d'année. Elle me contacte. Elle dit que qu'est-ce que je dois préparer pour l'année-ci? Que je ne veux plus. Je ne veux plus la donner un peu. Je ne veux plus donner l'espace. Parce que dans ma famille, on me connaissait que je suis simple. On sait que je ne connais même pas les trucs-ci. Écoutez, hein, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que ça ne marche pas. Ah, le visa pour ta petite soeur. Ta petite soeur a eu le visa finalement, la chinoise. C'est bien ça. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a la dimension de maturité. Hein. C'est quand tu restes comme ça, tu sais que... Et je vous dis encore, ce n'est pas parce que tu ne connais pas. Les gens spirituels, j'ai des gens souvent qui me contactent en inbox. Ils me disent que tu dis trop les choses, tu dis trop les vérités aux gens-là. Je leur dis que vous savez quoi, moi j'étais dans le noir pendant des années. J'ai passé 13 ans de blocage. Ça, c'est à partir du moment où je suis parti en Beng. Mais même avant Beng, j'étais même déjà bloqué. Je suis parti en Beng à 19 ans. J'ai 13 ans. Tu m'as donc, hey! Tu fais, tu as l'impression que tu es dans la roue du hamster. Tu es dans la roue du hamster. La roue du hamster. Tu as un peu l'argent, après whoop, ça part. Tu as un peu l'argent, après whoop, ça part. Et vos amis, vous avez les amis qui connaissent ce que j'ai dit là. Ils vont vous trouver sur mes vidéos, ils vont dire, ah, tu écoutes la fille là. Eh, pardon. Ils vont partir en cachette écouter mes vidéos. Je vous dis. Les gens sont méchants, hein. La méchanceté des gens de Meng, alors, c'est un autre degré. La méchanceté des gens de Meng, c'est une autre dimension. Chanel, je ne sortirai pas de mon sujet. Vous venez me poser quoi d'autre? Je ne vous réponds pas. Ça ne va même pas, il vous bloque. Peut-être que tu viens d'arriver sur ma page. Ça ne va pas être bloc. Mm-hmm. Tu es là comme ça en Europe avec ta copine. Tu dors chez elle. Une m'a dit hier dans la consultation qu'elle a une amie qui était venue couper ses cheveux. Elle est couchée sur le canapé. On sait sa copine du coup. Il faut qu'elle coupe tes cheveux. Elle vient avec, elle sort de la chambre avec les ciseaux. Elle vient comme ça. Elle, au centre de sa tête, elle coupe la tête. Tac. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait avec la touffe de ses cheveux jusqu'aujourd'hui.
Et la fille était athlète à l'époque. Dès qu'elle a pris ses cheveux comme ça, là, ses performances ont commencé à baisser. Les chutes, les monts violents ont commencé à venir sur sa tête. Quand tu la vois aujourd'hui, ses cheveux sont partout partis. Créer un deuxième profil Facebook pour me suivre. Quand vous dites qu'il y a les faux profils, me voici, je parle sur la page ici, là. Voilà encore l'autre, je ne veux même plus rentrer dans ça. Yeah. Je ne vous écrirai jamais. Je ne vous contacterai pas pour dire que j'ai vu quelque chose sur vous. Donc si quelqu'un fait un faux profil, il vient vous commence à vous dire qu'il a vu ça sur vous. Et oh, il faut encore vous faire ceci. C'est vous qui me contactez. C'est vous qui me relancez. Si vous ne voulez pas vous laisser, vous avez compris. Vous avez suivi, non? Et si ils vous ont dit de venir m'appeler, ne m'appelez pas, même dans le rêve, vous allez me voir. J'ai travaillé avec une jeune femme comme ça. Je la mets sur ma page qu'elle est ma représentante. Elle prend, quand mes clients la contactent, elle les envoie chez une autre personne. Un jour, une fille m'appelle, elle me dit, maman, j'ai appelé la représentante ici, je ne veux même pas nommer le pays, vraiment, pour qu'elle s'appelle. Et voilà, je la contacte, elle me dit que non, la reine Jocelyne est trop chère. Attends, elle va te donner le numéro d'une autre personne. Je passe, elle travaille sur moi. Après, je te vois encore toi-même dans le rêve. Tu viens, c'est toi qui me lavais dans le rêve. Je dis, c'est bien. C'est ça, non? C'est comme ça que vous faites, non? Donc, je ne cours pas derrière vous. C'est que quand vous contactez, comment ça dit que c'est comment ma chérie? Tu sais qui je suis? Je suis la reine, je suis la lumière. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Même quand vous m'écrivez sur WhatsApp, c'est à peine si vous répond. Donc, si vous voulez mon numéro, c'est sur la page ici, là. Il y a les secrétaires. Vous écrivez, ils vous répondent. Et si vous voulez vous demander à me voir en vidéo, je vais vous. Dès qu'ils vont me dire, je vais vous appeler 2 secondes, vous allez me voir avant de faire votre paiement. Voilà. Et les sorcières qui viennent me tenter pour venir. Les sorcières, là, ne me tentez pas. Écoutez bien. J'ai des méchantes sorcières comme ça, là, que vous venez. Une comme ça a commandé les produits. On lui envoie les produits même 2 fois. Ça part dans son pays, DHL la renvoie. Ou ça part de sorcellerie et que comment jusqu'à ne peut pas toucher mes produits. On prend pour envoyer par un autre canal. Elle donne un faux numéro. On appelle le numéro, ça ne décroche pas. Après, elle m'écrit, commence à me dire, oh, remboursez-moi. Parce que je crois que 450 $, c'est quoi? Donc, si à votre sorcellerie dans votre cœur, ne venez pas faire le semblant sur mes choses, c'est que ça va vous brûler. Vous allez porter vos malédictions sur 5 générations. Je devais vous dire ça avant de continuer ce que j'avais à dire. Parce que je vous connais. Et si vous avez d'autres personnes qui vous suivent, je vous en prie. Allez avec eux. Ne venez pas me déranger. En Côte d'Ivoire, j'ai une autre personne aussi. J'ai 2 personnes en Côte d'Ivoire. Donc, vous devez vraiment faire très, 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 très attention. Certains d'entre vous venez avec le mauvais cœur. Certains venez, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez vos amis qui disent qu'ils sont vos amis et c'est eux la cause de vos problèmes. Certains de vos amis connaissent le lavage au sel. Certains connaissent les marabouts. Certains connaissent votre étoile. Écoutez bien, ils connaissent votre étoile. Quand tu dis que tu veux jeûner, ah, laisse le jeûne là, non, viens manger. Oh, je voulais t'amener dans une boîte de nuit là, une nouvelle boîte est sortie. Est-ce que tu jeûnes le jour là? Est-ce que tu jeûnes le jour là? Elle avait été testée. Si ne vous met pas en garde contre vos propres amis comme ça là, je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Parce qu'ils ont peur de vos prières. Écoutez-moi bien. Ils ont peur de vos prières. Mais vous ne savez même pas. Parfois, ils viennent pour vous embrouiller. La maturité spirituelle, ce n'est pas que je serai derrière toi pour te tenir la main tout le temps. Ce que je suis, vous-même, vous savez. Je peux te parler aujourd'hui, je te parle encore dans 3 mois. Alors que je te suis. Et tu as me dit que la nuit, il y a une là,
elle paye sa dîme presque tous les 2 jours. Elle m'envoie l'argent de la dîme. Elle ne blague pas. Depuis au moins 6 mois. Tous les 2 jours. Parce qu'elle fait le commerce. Elle fait le commerce, elle vend la viande. Tous les deux jours, elle envoie dîme, offrande, dîme, offrande. Elle me dit, ce matin, elle me réveille, elle me dit, elle a fait le rêve, elle m'a vu que dans le rêve, on voulait voler son sac avec son argent. Je suis venue, j'ai arraché le sac de je lui ai remis. La maturité spirituelle, c'est quand tu sais ce que tu as fait. Et tu ne laisses personne te dissuader de ce que tu as fait. Certains d'entre vous, on vous a empêché, fatigué, de venir me voir. Ou de m'écrire même. Vous pensez souvent que les esprits-là ne me connaissent pas. Hein? Ils savent que j'ai deal avec eux. Même dans le rêve, j'ai deal avec eux. Dans la réalité, j'ai deal avec eux. Maintenant, vous devez comprendre que ce sont vos actes qui ouvrent le portail. Je ne peux pas vous forcer. Je ne peux pas vous forcer. Et vous voyez, je donne beaucoup de vidéos. Beaucoup d'entre vous, beaucoup, la plupart du temps, quand vous rêvez de moi, vous me dites que j'étais vu dans le rêve, on était assis, on causait. Quand je vous parle, ils passent par moi, vos ancêtres passent par moi. Je suis comme un canal de communication pour vous donner des instructions. Parfois, je suis là même pour confirmer ce qu'ils vous ont dit. Parfois, je suis là pour vous rappeler ce qu'on vous a dit, vous avez oublié. Parfois, je suis là pour t'assurer que tu es sur le bon chemin. Parfois, tu as deux amis décepticons avec ta tante, ta mère même que c'est une maman ticone. Une maman ticone, c'est une mère qui te dit qu'elle n'est pas dans les traditions, elle n'est pas dans tout ça. Tout pour elle, c'est que ma chérie, il faut prier ma fille. Il faut prier ma fille. Moi, il ne connaît pas moi autre chose, hein, ma fille. Tu es là, tu es bloqué. En 6 ans, on t'a demandé un mariage 5 fois. Tous les 6 hommes-là sont partis. Si c'est 5, si c'est 6 hommes, ils sont partis. Tu es là tombé, tu as fait 4 fausses couches. Ta mère, elle regarde. Hé, hey, ma fille. Hé, hey, ma fille. Quand ses soeurs appellent, elle dit tout. Vous croyez que vos tantes ne peuvent pas vous bloquer? Vous voulez que vous parlez des tanticons? Les tantes sorcières que vous avez? Quand ta mère était enceinte, à 22 ans, ta tante partait derrière chez les marabouts, ta tante connaissait ce qui est dans le ventre de ta mère. Et c'est généralement le genre de personnes que même dans l'enfance, si ta mère est honnête et sincère, ta mère va dire que quand elle était petite, ma soeur, elle me faisait trop du... Elle me tapait trop. Elle me volait toute ma viande. Elle faisait du mal à ta mère. Je vous ai montré une fois, j'ai parlé une fois, je crois que la semaine passée, une jeune fille est venue, dès qu'elle est dans mon bureau comme ça là, elle commence à se gratter. Hey, l'esprit qui en est ne pouvait pas. Elle dit, c'est bon, je vais dire la vérité aujourd'hui. L'esprit commence à parler. Je suis la petite soeur, même père, même mère de sa mère. J'ai gâté son mariage. Elle a gâté le mariage de la mère de cette fille. Parce que son mari l'aimait trop. Donc voilà ta soeur, ta petite soeur, tu te maries, ta petite soeur voit, ça l'énerve. Un jour, j'ai construit une jeune fille à Yaoundé. Je crois que 3 ou 4 mois après, elle m'a fait le témoignage de la voiture, qu'on lui a donné une voiture. Elle me dit, elle a sa petite soeur qu'elle a pris chez elle, depuis que sa petite soeur avait 17 ans. La petite soeur avait 26 ans de nos jours. Elle a été chez quelqu'un qui soigne. Et je vous dis, n'amenez pas les gens chez moi. Ne montrez pas vos choses aux gens. La sagesse doit entrer dans votre tête. Quand je vois, vous dites que viens écouter là. Quand la personne va vouloir commencer à écouter, savoir que ce que je dis, la personne connaissait. Hey, Seigneur, vous êtes bête. Oui, oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, oh. Je sais qu'elle veut moi que vous faites quoi. Je sais qu'elle veut que vous... Je vais vous gifler, je vais vous taper, je vais faire comment? Sa petite soeur, elle amène sa petite soeur chez une femme qui la soignait comme ça là. Un jour, elle prend le téléphone de sa petite soeur, où elle fouillait quoi dans le téléphone. Elle tombe sur une vidéo que sa petite soeur avait fait. Elle est en train de faire un rituel chez la femme là. Donc tu amènes ta petite soeur quelque part. En ton absence, ta petite soeur part chez la personne pour te bloquer. Et dans le rituel, la petite soeur avait écrit le nom de sa grande soeur sur le papier. Le nom du mari de sa grande soeur sur le papier.
Elle a mis sur la soeur une flèche qui part à gauche. Elle a mis sur le mari une flèche qui part à droite. Que je vous sépare. Écoutez-moi bien. Quelqu'un que tu as payé son école, tu as payé tout. Elle accouche chez toi, tu t'occupes de l'enfant. Après, on bloque ton ventre, que tu n'accouches pas. C'est tout le monde qu'on va être gentil avec tout le monde là. Et dit que quand elle a vu la vidéo là, elle était choquée. Elle a fait un an de séparation avec son mari. Quand ils ont repris leur relation, elle est devenue sage en tout cas. Elle est devenue sage. La sagesse est entrée de gré de force, c'est entrée dans son corps. La maturité spirituelle fait, toi tu deviens... Tu deviens sage à un degré où... Tu sais pas que tu te méfies des gens, mais tu ne veux plus être gentil. Non. Tu vois même quelqu'un là-bas, oh, je n'arrive pas, je fais comment, aide-moi. Ne prends pas la personne, tu l'amènes chez ta personne. C'est comme tu l'amènes comme ça là. On ne montre pas son réseau à tout le monde. Moi, je vous dis parce que j'étais chef tenait. Moi, tout, j'étais comme un livre ouvert. J'étais comme un livre ouvert. Tu vois tout. Moi, j'étais comme un livre ouvert. Viens un peu taper le ventre de Jocelyne pendant 30 secondes. Elle va te dire là où elle a acheté telle chose. Elle va te dire comment elle a fait pour avoir son visa pour tel endroit. Elle va te dire comment elle a fait gna 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 gna. Quand tu atteins la maturité spirituelle, tu ne veux pas du mal aux gens, mais tu es sensible à l'esprit de Dieu. J'ai une connaissance, quelqu'un de ma famille. Je ne vais pas trop donner de détails parce que si la personne suit ceci, va se reconnaître. Et c'est que beaucoup de membres de ma famille me suivent en sous-marin. Je vous bénis, vous avez suivi. Je vous bénis. Souvent, on m'a dit que le jour où ils ont mis ma vidéo dans le groupe familial, parce que je ne suis même plus dedans. Le jour où ils ont mis ma vidéo dans le groupe familial, que regardez ce qu'elle fait maintenant. Mais des sceptiques qu'on a fait, ça m'a fait. Ils savent qu'ils sont abonnés sur ma page, ils me regardent. Ils me regardent. Donc, cette personne-là en particulier, c'est quelqu'un que la personne fréquente beaucoup les marabouts. Et j'ai été proche de la personne. Quand je suis partie en Europe, après un moment, j'ai senti que je ne veux plus parler avec la personne. Donc, je n'avais plus envie de contacter la personne. J'avais juste perdu l'envie. Et chaque fois qu'on me demande, je me dis, mais tu es censé lui parler quand même. C'est quand même une question importante. Je dis que non, attends, Philippe, je ne sens pas. Je dis, Je me faisais un genre. J'ai forcé un jour, ça fait peut-être 2 ans. J'ai forcé un peu. Je suis partie. Quand je suis partie, le temps là, mon discernement était déjà ouvert. J'ai compris. Il y a des gens que depuis que tu es né, même avant que tu sois né, ils avaient attaché ta mère. Ils avaient attaché ton père. Ce qui fait que quand ils appellent souvent ton père raconte tout sur toi. Tu es aux États-Unis. Si on veut des nouvelles, on appelle ta mère. On tape un peu son ventre comme ça. Elle va te raconter toutes les choses. C'est pour ça que ce n'est pas tout que tu vas dire à ta mère. Vous suivez. Parce que ta mère ne peut pas retenir sa bouche. Chaque fois que tu as dit à ta mère que tu as rencontré un gars, ça a duré combien de temps? Hein? Oui, maman, je viens de rencontrer le Belge aussi. Oui, c'est un Français, maman. Oh, maman, il est tellement beau. Il est d'une famille riche, maman. Si tout se passe bien, tu vas venir aussi en bain, non? Voilà comment tu te tues. Voilà comment tu te vends. Voilà alors ta mère. Tu crois que ta mère au pays comme ça, est-ce qu'on veut qu'elle prenne l'avion? On veut que ta mère meure sans prendre l'avion. Vous me suivez? Information gratuite. Je sais que vous ne croyez pas. Information gratuite. Donc, ma soeur, si c'est à 63 ans qu'elle va prendre l'avion, non. Non, 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 non. Elle ne doit pas prendre l'avion. Même à 63 ans, elle ne doit pas prendre l'avion.
Patience, c'est bien. Ça commence à s'ouvrir. Il y en a qui ont attaché vos parents. Et maintenant, toi, malgré le fait que tu es loin, ils avaient cette commande qu'ils avaient sur toi, cette façon de te commander. Quand tu es mature, il y a des choses que tu n'as plus envie de dire, de faire. Telle personne est morte, il faut venir au pays. Non, je n'ai pas envie de venir. Ce n'était pas prévu. Non, ce n'était pas prévu, je ne viens pas. Tu fais finalement... Tu es maintenant avec qui? Tu es maintenant dans quel état? Ah, tu es dans l'état du Pennsylvanie. Ah, ok. Comment va alors ton gars? Tata, tes filles sont toutes mariées, non? Hmm? Chaque année, elles partent au pays, là-bas, elles disparaissent, non? Parce que tu peux travailler sur tes filles, non? Tu m'as déjà appelé un jour pour travailler sur moi, tata? Hein? C'est ta mère qui est bête. Chaque fois qu'on vient chez ta mère comme ça, là, elle ouvre tout, elle dit. Elle ouvre toute ta vie, elle dit. Ta mère n'aura plus de mère, elle n'aura plus rien, elle n'aura plus aucun détail. Dès qu'on va demander, elle est encore dans quel état? Ta mère dit que maman, je ne me cache. Ça fait même 6 mois qu'elle ne m'a même pas appelé. Après, quand ta mère a de tes nouvelles, que tu es déjà marié, tu es à 9 mois de grossesse, tu vas accoucher, tu accouches la semaine prochaine. Certains d'entre vous, l'esprit a même dû vous éloigner d'eux physiquement. Maintenant, quand tu écoutes mes vidéos, tu deviens consciente. Souvent, tu n'as pas les papiers depuis 8 ans. Hein. Tu rencontres un homme. La première semaine, l'homme a dit qu'il veut t'épouser. Il dit qu'il veut t'épouser. Tu vois le genre d'homme que quand tu le rencontres, il a tout. Il est riche. Je sais pas, il est divorcé. Il est libre. De belles familles, gentil, doux, calme. Tu fais tes sautes d'humeur, tes fâcheries bizarres, là, il est derrière toi. Tu vas vivre ton bonheur, hein, mamie. Parfois, tu vas vivre ton bonheur comme ça, là, tu vas dire que, yé, hé, donc c'est même possible. Maman, vivons cachés. Tu manges ta vie, tu fais tes voyages. Personne, donc, souvent, tu pars même au restaurant, hein. Quand il est pour aux toilettes, tu te filmes seul. Tu postes sur ton statut, on regarde, on dit, oh, elle est au restaurant, pauvre femme seule. Elle est seule. Ne vous inquiétez pas, je suis seule. Ne vous inquiétez pas. Parce que tu es devenu sage. Certains d'entre vous ont bloqué votre ventre. Tu es dans tes 40 ans, tu cherches un enfant depuis. Le travail spirituel que tu as commencé là, la maturité, ce que tu comprennes aussi, à quel niveau tu es. Écoutez-moi bien. Si j'ai déjà pris un kit que je fais, tu as commencé à travailler avec. Je vous dis toujours, le kit fondation, fondation là, pour briser les malédictions générationnelles. Les gens qui cherchent l'enfant là, prenez le thé de désenvoûtement. Faites 1 mois de traitement, vous buvez ça tous les jours. 2 jours tu bois, 1 jour tu te purges. 2 jours tu bois, 1 jour tu te purges. Toutes les choses qu'on a mis dans votre ventre là, ça va sortir. L'huile de blindage. Prends ça, tu oins sur ton ventre. Oins sur ta tête. Quel que soit le contrôle à distance. Il y a aussi un remède pour les maris de nuit. Que ça vient d'arriver à Paris. Il y a ça à doigt là. Le remède des maris de nuit, tu mélanges ça avec Exterminator. Tu te laves avec. Tu mets l'autre dans ton huile. Tu te oins avec. Ma chérie. La fille qu'on a scammée l'autre jour, on a fait le scam. On l'a scammée. On dit que quoi, on a pris son argent. Quoi, quoi là. Bénédiction, ne te dérange pas. Je vais te bloquer. Tu as compris? Tu as compris, bénédiction? Demande un peu aux gens comment je suis sur ma page. Quand ils parlent de mes choses, tu veux pleurer. Je ne suis pas sur les pleurs. Je suis sur l'action. Je suis sur l'action. Tu vas pleurer 50 ans, ça va changer quoi? Lave-toi au sel. Le jour où tu as l'argent, tu prends un kit. Le jour où tu as l'argent, tu prends une consultation. Tu envoies ta photo, on te lave à distance. Ça marche. Tu as commencé un kit. Et le truc, c'est que vous aimez les trucs instantanés. Je dis que c'est ça qui m'énerve sur vous.
Le truc, c'est que tu me montres là comme ça va faire, ça va marcher une fois. Hein? Il va m'épouser en une semaine. Peut-être qu'il y a des choses sur toi qu'il faudra enlever, ma chérie. Cette jeune femme qui se plaignait qu'on a scammé, que le firma a fait 1000 dollars, elle m'a contactée. Je lui ai dit que je lui ai donné le temps de travail. Je lui ai dit que c'est au moins 3 mois. Je commence le travail la première semaine. La première semaine, elle a 3 dragueurs ou 2 dragueurs qui, riches, comment elle veut là, qui viennent d'elle. L'argent entre. Je lui ai dit que quand la première partie va marcher, tu vas peut-être être soulagé. Prends ton deuxième traitement, tu fais. L'argent entre, elle commence encore à tourner la tête et pas ailleurs. Soyez sage pour vous. Moi, je ne parle pas moi beaucoup. Si tu as commencé un truc, je veux que tu saches, parce que la dame avec qui je parlais tout à l'heure, elle avait tellement. Elle me dit, voilà, chaque fois que j'étais avec un homme avant, ça ne durait pas. Si je me fâche, comme ça, il fait les points avec lui, il part, il m'oublie. Je lui ai dit que ma chérie, voilà le nombre de mois que vous êtes ensemble, est-ce qu'il t'a quitté? Elle dit non. Il dit que tu ne vois pas. Elle me dit qu'il m'a présenté à ses parents, ça fait 3 semaines. Et pour les Watt, quand le Watt te présente derrière sa famille comme ça, ma chérie, la bague arrive. Elle ne te dérange même pas. Ça veut dire qu'il est vraiment dans quoi. Et après, elle n'arrive pas à croire. Elle me dit que, ah, tu sais, dans le passé, j'ai fait tellement de fausses couches. Est-ce que, je lui dis que, ma chérie, tu dois savoir les malédictions que tu as brisées sur toi. Tu ne peux pas savoir. La maturité spirituelle, c'est que tu saches que mon travail est en cours. Écoutez bien. Mon travail est en cours. Et votre point, c'est que vous ne connaissez pas reconnaître les petites choses. Parfois, tu commences. Le mois-là, rien ne se gâte dans ta famille. Alors qu'avant, le frigo, la voiture se gâte. Oh, il y a un imprévu. Tu sors 500 dollars. Tu sors. À la fin du mois, tu vois que tu n'as rien mis de côté. Voilà ça que depuis 3 mois, chaque mois, tu as pu constamment économiser de l'argent. Tu as pu voir tes projets se concrétiser. Les locataires que tu cherchais, tu as trouvé. Apprenez à voir ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Te voilà que tu as une relation stable depuis. Je vous ai dit que je disais à la jeune fille que 2023, ce que tu vois là, tu vas te retrouver avec un enfant dans la main sans avoir fait un truc artificiel, rien. Pas de in vitro, rien. L'enfant dans ta main, la bague à la main. Tu seras en train de, avec le deuxième enfant dans le ventre qui te donne les nausées. Parce que quand Dieu commence à te restaurer, tu vois ta vingtaine qu'on a volée là, ta trentaine qu'on a volée là, c'est à 39 ans, 40 ans que tu tombes sur ma vidéo. Chérie, prépare-toi. Prépare-toi à être choqué. Je sais de quoi je vous parle. Je ne parle pas pour avoir les vues. Facebook ne me paye pas quand vous regardez mes vidéos. Facebook ne me donne pas l'argent. Et vous savez vous-même que 90% d'entre vous, vous n'allez jamais m'écrire. Vous n'allez jamais acheter mes produits. Il veut que vous compreniez que quand tu commences ton travail spirituel, ça va se faire. Et quand Dieu te restaure, il te choque. Il te choque. Tu restes comme ça. Je vous ai parlé de la jeune femme, non? Elle tombe sur mes vidéos en novembre. Novembre, elle tombe sur mes vidéos. Décembre, son frère vient pour la première fois. J'étais encore à Bepanda. Prendre des produits. Angéline Djabré, écoute, ne viens pas te plaindre ici. Ne viens pas te dire, oh, ma part est comme ça, comme ça. Je n'ai rien à faire de vos plaintes. Je n'ai rien à faire de vos plaintes. Si tu es là pour montrer, chacun ici a sa part de plainte. Si chacun va te dire son problème, mais c'est là, tu vas lire pour chacun, tu vas dire, hein. Oui, chacun ici a les problèmes. Il est venu prendre ses produits en décembre de l'année passée. J'étais encore à Bepanda. Il prend ses produits. Il poste dans son pays, en Europe. Je ne donnerai pas les noms des pays parce que je vous connais. Elle reçoit. En recevant les produits, elle était dans une relation
avec un monsieur avec lequel elle s'est mariée et il ne voulait pas finaliser sa nationalité. Donc elle attendait. Elle attend. Ça faisait 18 mois qu'elle avait lancé la procédure pour que son fils, qu'elle a eu avant le mariage, vienne la retrouver en Europe. C'était bloqué. Et quand elle avait plein d'enfants, elle voulait un véhicule depuis, qu'elle n'avait pas. Dexambre, elle reçoit mes produits. Vous savez qu'en janvier, février, on faisait déjà les jeûnes. On a toujours jeûné. On a arrêté en août, septembre et en octobre. On a repris en novembre. Oui, tu pars. D'accord, bye bye. À demain alors. Quand tu veux déjà venir, tu appelles. Je vais te dire ce que tu vas dire au taxi. Donc, janvier, février, elle envoie sa photo. Je lui fais un lavage d'abord. Après, elle envoie pour un deuxième lavage. Quand le deuxième lavage, sa photo faisait que c'est perdre tout le temps. Je dis, mais pourquoi la photo de la femme? Chaque fois qu'il fait le lavage, j'imprime sa photo. Après, la photo disparaît. Il dit que non, 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 non. Un jour, j'ai dit que je me suis levé le jour, il dit que ta photo, ça ne va pas échapper. Quand il prend sa photo, il met devant moi pour travailler. Je mets devant moi pour travailler comme ça. Je l'appelle. Elle me dit, oh, je ne peux pas te parler. Je suis dans la salle du bureau de naturalisation. Il m'a appelé que je vienne. J'ai peur, je ne sais pas. Il dit, ok, ne te dérange pas. Je fais son travail. 15 minutes plus tard, elle m'appelle et me dit, maman, ma nationalité est sortie. Oh. Elle est contente. Que maman, je ne sais pas. Oh, enfin, oh, 5 ans de souffrance. Je sais pas, ça, je crois que ça fait 5 ans qu'elle était là-bas. Oui. En 5 ans, elle est arrivée, elle a fait ses enfants, elle a eu sa nationalité. Voilà 5 ans de souffrance. Enfin, je peux maintenant divorcer. Elle était tellement contente. 2 semaines plus tard, maman, je viens d'acheter la voiture de 20 000 euros et là, on tombe en mars. Fin mars, avec encore. Les papiers de l'enfant qui était à l'ambassade depuis 18 mois, un an et demi. On me dit que c'est bon, le visa de l'enfant est bon. Je viens le chercher en fin avril. Ou en fin avril ou début mai. Donc elle a aligné les trois témoignages majeurs dans sa vie. Et cette femme, quand elle priait, tu pouvais t'asseoir, tu prends le cahier, tu notes, tu prends les cours. Je me rappelle le jour où je l'ai lavé. Je me rappelle distinctement. Le premier jour, elle est venue physiquement, je l'ai lavé. Je n'ai même pas parlé. Elle avait tout écrit. Tout était sur son papier. Elle finit le papier, elle dépose le papier de côté. Elle tape encore 15 minutes de prière. Oh non, je reçois ma maison. Je reçois ceci. Je déclare que telle personne va me donner 15 000 euros. J'ai dit que... je vais t'appeler, tu seras professeur de prière chez moi. Parce que vous dormez. Et quand elle m'a raconté son... Quand elle est venue au pays, on a parlé un peu, elle m'a raconté son histoire. Comment elle s'est débrouillée pour arriver en Europe. Comment elle était bloquée pendant des années là-bas. Même ici au pays, elle était d'abord bien bloquée. Et là, maintenant, elle veut seulement construire que l'immeuble. Donc, c'est prier maintenant, c'est que l'immeuble. Je suis là pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous avez déjà, que vous aviez, mais vous ne saviez pas. Beaucoup d'entre vous, je sais que l'année, si vous avez beaucoup rêvé, que vous étiez avec des stars, des célébrités. Depuis 2 jours, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont présenté cette situation-là. Je leur dis toujours, quand tu rêves que tu avais une célébrité, premièrement, sois les ancêtres qui sont en train de te montrer ce que tu étais censé avoir. Parce qu'il y a quelque chose qui est ton... J'ai dit à quelqu'un qu'il y a le droit de naître. Genre, la personne a cru que c'est parce qu'il est le premier fils de quelqu'un. Non. Vous avez un héritage spirituel. Pardon. Genre, tu peux être dans ta famille, on te regarde comme ça, là, tu es la plus belle. Tu es brune. Tu es souriante. Tu es gentille. Chaque fois que vous allez, même si vous partez à la fête, si vous dansez comme ça, c'est sur toi qu'on favorisait. Si tu partais en vacances dans un quartier, on te regardait toujours. Tu arrives même quelque part, on vous filme, on dit, ouais, la fille est belle. Tu as une lumière sur toi, ça attirait toujours les gens. Les gens ont vu ça, et toute lumière doit être protégée. Elle doit être activée. Donc parfois, ce n'est pas que on t'a même bloqué, c'est juste que les gens qui t'ont élevé n'ont rien fait. Protéger ta lumière. Ils n'ont rien fait pour activer ta lumière.
Donc parfois tu n'as pas quelqu'un particulièrement qui est là contre toi. Tu n'as pas une tante icône. Mais on a parfois aussi les tantes ne viennent pas, mais les voisines, hein. Et les voisines sorcières. Vos voisines sorcières là. Tu es en bain depuis 10 ans. Toutes les semaines, n'est pas demandé à ta mère comment tu vas. Majo, Maja, ta fille là, elle va bien. Chaque fois dans le rêve, tu la vois. Mais pourquoi je rêve de notre voisine? Parce que quand tu étais petite, c'est ce qu'elle a fait sur toi. Il y a tellement de ces situations. Maintenant, quand vous allez commencer à faire votre travail spirituel, les jeûnes et tout ça, il y a des moments où ils vont vous révéler. Tu vas rêver, tu vas voir comment elle va venir, son visage est là ouvert, comment elle cherche à te faire du mal. Donc parfois l'esprit va te révéler. Mais surtout, suivez votre intuition. C'est un ressenti que tu as. Suis ça. Suis ça. Ne cherche pas trop loin. Ah, tu sais, j'ai l'impression que la tata, c'est là. Je ne sais pas pourquoi. Elle me fait un genre, je n'aime pas trop partir chez elle. Je n'aime pas trop l'appeler. Pourtant, elle m'appelle tout le temps. Elle me dit, tu es ma fille, non? Tu es comme ma fille, non? Et ça, c'est le mot clé des sorcières. Tu es comme ma fille, non? Jesus is Lord. Tu es comme une soeur pour moi. Et ouais. Tu es comme ma fille. Et ouais. Ma mère. J'ai ma mère, pardon. Donc faites attention. Voilà le dialogue là-bas. Et vos belles-mères qui vous prennent comme leur fille. Même les belles-mères, pardon. Moi, hein, je ne mets pas le cœur. Ne mettez plus le cœur. Ah, c'est quand même ma belle-mère. C'est quand même. Parce que quand la personne veut te faire du mal, hein, ça a le goût. Ça a le goût dans sa bouche. Pourquoi c'est vos copines, non? Copine que tu es en train d'aider tous les jours. Tu arrives en bain, tu la tires. Tu prêtes même l'argent. Que oui, je te prête l'argent, tu fais tes papiers pour venir. Elle arrive à te cause encore les problèmes dans ta ville jusqu'à. Tu dis que yay. Ah, non, oui, tu. Et le truc, c'est que les sorcières, là, hein, quand elles font comme ça, leurs choses n'avancent pas. Toi, tu n'as pas les papiers, mais tu ne manques jamais. Ton frigo est toujours plein. Tu as même la voiture, alors que tu n'as pas les papiers. Voilà la sorcière, là, comme ça, là-bas. Tout ce qu'elle mange, c'est l'argent du social. Elle ne veut pas te laisser tranquille. Elle ne veut pas te laisser tranquille. Tu es comme notre enfant. Parce que malheureusement, ces gens qui sont plus âgés que nous. Ils sont très jaloux. C'est bête. Hein? Parfois, tu vas voir une mater. Elle te dépasse de 20 ans. Tu dis que la mère, j'ai 30 ans, tu as 55 ans. Comment tu peux être jalouse de moi? Ça n'a pas de sens, non? N'est-ce pas? C'est comme ça que tu pars, tu ouvres tous tes pieds, tu lui dis toutes tes choses. Vos grandes soeurs en là. Et non, elle est comme une grande soeur pour moi, elle m'a hébergée quand je venais d'arriver. Je parle pour l'autre là. Je parle. Elle avait appris l'argent à deux gars dans ta ville, sur ta tête. C'est pour ça qu'elle était gentille avec toi. Elle avait prévu que elle va t'utiliser pour que tu t'occupes de ses enfants même pendant 3 ans. Commence la relation avec un homme.
Et pas te gâter devant l'homme là, tu Wanda. Hey! Tu me gâtes devant l'homme. Elle voit un peu ton gars, t'as acheté la chaussure, tu viens d'arriver. Ouh, jalousie de ça, pardon. Ouh, tu savais, c'est maintenant, hein. Ça, c'est le truc qui me revient à l'esprit. Je m'appelle quand j'avais 19 ans, 20 ans. Quand j'avais l'argent, mais. Il était joli comme ça, là. Mes seins étaient encore bien debout comme ça, là. Avec le climat de Bengla, il était brune. Mince. Tu vois, c'est un tata là. Pourquoi il t'appelle? Pourquoi il t'achète ça? Hein? Pourquoi? Après, tu vois un moment, le gars ne te parle plus. Il ne t'appelle plus. Tu le relances un peu. Bébé, c'est comment? On sort ce week-end. Bébé ne répond pas. Ta tata là est partie par derrière. Elle a parlé à Bébé. Que tu as ton gars au pays. Parce qu'elle a vu que le gars voulait te donner les papiers. Oh, les femmes sont méchantes. Jesus. Elle sait que le gars va te sortir de l'asile. Il t'épouse là, c'est fini. La maturité spirituelle n'a pas d'âge. Tu peux avoir 20 ans, tu m'écoutes. Ça résonne avec ton esprit. Ma chérie, si tu m'écoutes à 20 ans, à 25 ans, hein, tu seras mariée heureuse avec l'argent. Tout ce que tu auras. Parce que ma chérie, tu ne vas pas tomber dans les pièges, les faux pièges des gens. Des tantes, des oncles, des tatas, des grandes soeurs, entre guillemets, qui vont te conseiller. Tu sais, on a traversé ça avant toi. Il faut nous écouter. Je te prends comme mon enfant. Ça, c'est un mot que je n'aime même pas. Je te prends comme ma fille. Hein. Non, j'ai pas besoin de ça. Parce que même ma mère, si elle était là, je ne l'écouterais pas. Benny, je sais, tu dis qu'une femme enceinte jeune. Venez toujours ici poser vos questions. Venez toujours ici poser vos questions. Les gens vont vous répondre dans les commentaires. Ils vont vous répondre les mensonges. Tant mieux pour vous. Tu viens tomber. Si tu ne tombais pas sur mon direct, tu allais faire comment pour savoir? Vous ne pouvez pas prendre la peine de prendre le numéro. Vous me enregistrez dans le téléphone. Vous posez une question. On va venir vous dire n'importe quoi ici. Cherchez vous-même. C'est vous-même qui cherchez vos problèmes. Tu restes dans les commentaires, tu écris quelqu'un. Après, je finis le direct. Deux jours plus tard, quelqu'un t'écrit. Que pour toutes vos questions, contactez-moi. Oh. Tu parles, tu écris à la personne. Bête. Bête. J'aime pas la bêtise, ça m'énerve. Quelle bête, ça m'énerve. Je dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as créé cette personne? Pourquoi tu l'as fait bête comme ça là? Parce que ceux qui sont sages, on ne vole pas leurs choses. On ne vole pas ton étoile. Quand ta mère est sage, on ne vole pas ton étoile. Vous avez 35 ans, c'est maintenant à 40 ans que vous pouvez vous asseoir jusqu'à écouter quelque chose comme ça. Quand tu as la soeur, ça fait 10 ans qu'on veut te parler, tu comprends. Tu as échoué ton mariage combien de fois? Tu as échoué ton mariage combien de fois? On parlait, tu écoutais. Vous attendez toujours que ça, quand c'est un peu foiré. Ah, si je savais. La maturité spirituelle, tu apprends à écouter l'esprit. Tu te lèves le matin, tu notes tes rêves. Parce que tu sais que c'est dans les rêves là qu'eux, ils te parlent. Il y a des choses que parfois j'ai voulu faire. Souvent, elle a osé dire, ok, je vais déménager. Je vais aménager quelque part. Et elle a prévenu le bailleur, tout.
Dans la nuit, dans le rêve, on vient me dire, pop, je me lève à 6 heures, j'annule. J'annule. Parce que vous devez savoir que tout ce que vous partez chez les marabouts, qu'on vous dise là, si tu étais attentif, discipliné, il y a beaucoup de choses. La vie n'a pas enseigné à certaines personnes. Il y a des gens qui, même aujourd'hui, font encore les mêmes erreurs. 45 ans, tu la vois encore comme bien, elle fait les mêmes choses. Tu vois que la vie enseigne. La vie n'enseigne pas. La vie n'enseigne pas. Il y a des périodes où, quand tu es mature spirituellement aussi, tu comprends que tes anges mènent beaucoup de combats pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit? La partie, c'est très importante. Écrivez ça. Merci d'avoir partagé la vidéo là-haut. Parfois, tu fais un petit jeûne d'un jour. Un jour comme ça. Les prières que tu tapes le jour-là, ça porte tes anges comme ça. Ils partent te détruire quelque chose qu'on a mis sur ta tête depuis 10 ans. Tu fais un salaka comme ça. Vous allez vous dire que le salaka devient ta façon de vivre. En anglais, on dit your way of life. Tu ne peux pas faire ça. Ça devient ton comme ta respiration. Quand vous êtes spirituel, vous devez savoir que vos anges combattent beaucoup pour vous. Maintenant, vos anges peuvent être freinés par votre doute et votre manque de foi. Est-ce que tout le travail que j'ai fait là, ça va me marcher? Ah, tu es sûr? Vraiment, tu sais, moi, tu es sûr que ça va marcher? Ah, vraiment, et si je fais encore une fausse couche? Et vraiment. Alors, quand tu dis que non, c'est tout, si ça va aller, je suis sûr. Je suis sûr. Ange Michael, je t'envoie que tu m'apportes mon enfant. Blaiseau, je n'interprète pas les rêves ici. Si tu veux interpréter ton rêve, tu payes 50 euros. Tu payes 50 euros. C'est en consultation privée pour interpréter le rêve. T'as compris là? Vous buvez votre vin, vous prenez les conversations déjà, vous venez me donner. Aux anges bagarrent beaucoup pour vous. Vous devez savoir quand Dieu vous dit, be still, sois calme, laisse-moi agir. Parce que ceux qui vous connaissent savent qui vous êtes. Mais vous-même, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Jésus a dit que j'ai une légion d'anges avec moi. Si je veux, je dis qu'on te tape maintenant à Pilate. C'est fini pour toi. Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie.
Et quand vous lisez le passage, vous continuez, c'est deux rois. C'est deux rois chapitre 16 ou 6. Deux rois chapitre 6, je pense. Verset 16 à 18. Quand il lui dit ça, après il parle aux anges. Il dit que je vous frappe de ça. Je frappe l'ennemi de qu'il soit aveugle. Je frappe l'ennemi de ça. Donc tes anges qui combattent là, ils attendent ta parole. Ils attendent ta parole. Quand ta parole est libérée, ça leur donne l'autorisation de travailler. Beaucoup d'entre vous, vos anges, vous les voyez souvent dans le rêve. Parfois, ils ont ma forme. Vous les voyez, c'est comme si c'est moi. Genre, ok, j'ai rêvé que tu es venu, tu m'as sauvé, tu m'as fait ceci. J'ai rêvé que tu es venu, tu as pris mon sac qu'on avait arraché. Parfois, ils prennent la forme de moi parce que c'est moi qui vous enseigne. Parfois, ils vont prendre la forme de ta mère qui est morte ou de ton père qui est mort. Mais quand ton ange vient, ça donne toujours l'impression comme si c'est quelqu'un, donc genre quelqu'un qui vient pour te faire du bien. Ça peut être un homme. Genre une autre jour, une femme me dit, elle arrivait, elle était dans une rivière, elle se noyait. Et un homme est venu. Il s'est mis au-dessus d'elle, sur la rive. Et elle a pris un couteau, elle lui a donné. Avec le couteau, il a tué le crocodile qui voulait la noyer. Son ange lui a montré comment il a agi dans sa vie. Donc parfois, vos anges vont se pointer dans le rêve sous plusieurs formes. Généralement, c'est des formes. C'est pas toujours, ils seront en blanc, il y a une lumière. Non. Parfois, c'est juste la forme d'un homme qui est venu ou d'une femme qui est venue t'a sauvé. Ou bien tu étais perdu, la personne t'a montré la direction. Voilà. Bon, après, je ne rentrerai pas dans l'interprétation des rêves ce soir. Donc, je vous connais. Vous avez commencé à dire, oh, comment est-ce qu'on reconnaît son ange? Comment est-ce qu'on. Est-ce que vous allez vouloir rester dans la. Tu vas rester dans ta maison en jouant ça. Ange, tu es là? Ange gardien, tu es là? Ça, c'est ces gens qui ont besoin de preuves physiques. On ne fonctionne pas comme ça. Donc, je vous invite à mûrir. Votre prière ce soir, pour ceux qui jeûnent. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je voie ceux qui sont avec moi. Et frappe mes ennemis, Seigneur. Aveugle mes ennemis. Ange gardien, extermine mes ennemis. Donc, Seigneur, ouvre mes yeux, que je voie. Aveugle mes ennemis. Et frappe mes ennemis. Voilà vos trois prières. Vanessa, si tu sens que tu dois aller faire une libation, va faire la libation. Parfois, l'esprit te dit de faire quelque chose, tu veux mettre tout le monde dedans. Tu te dis de faire la libation. Demain, tu achètes la bouteille de vin que tu n'as pas fait. Pourquoi vous devez vous mettre tout le monde dans vos choses? Et je vais préciser ce que là, quand tu es mature, tu deviens sensible à l'esprit. Souvent, tu te lèves comme ça, l'esprit te dit. Va faire ça. N'attends pas que cinq anges viennent sous forme d'oiseaux. Ils atterrissent sur ta fenêtre, ils chantent. Ils font la mélodie de va faire une libation, va faire une libation. Non. Ça te vient en idée. Lève-toi, tu peux faire. Et soyez rapide pour obéir. C'est ça qui vous tue. Vous êtes lent. Parfois, ils consultent quelqu'un, la personne me dit, ah, ce que tu dis là, oui. Il y a 2 jours, ils m'ont dit ça en rêve. J'ai dit, tu allais faire. Ah, tu sais, moi, je ne voulais pas. Je voulais encore attendre que. Voilà ce qui vous tue. Donc, faites attention. Voilà. Bon, j'ai terminé. Je sais que vous avez 51 questions. Je sais aussi que vous êtes tellement chiche que vous ne pourrez jamais payer pour avoir une réponse à votre question. Donc, vous allez attendre un éventuel direct. Vous allez attendre
une fois en passant, quand je parle pour tomber sur le sujet que vous voulez. La maturité spirituelle, c'est quand tu sais ce qu'il faut investir pour avoir tes réponses ou tes solutions. La maturité spirituelle, c'est quand tu n'es pas attaché à l'argent. Parce que tu sais que tu commandes l'argent, l'argent vient. C'est ça la maturité spirituelle. Bon entendeur. I've searched around. There's no one else like you. Bye bye. À demain matin, 6h. Lion of Judah.